Et salut à tous, c'est Kenny Goldon, on se retrouve sur Total War Rome 2 pour la suite de ma campagne avec les Macédoniens. Et donc, dans le précédent épisode, on avait continué une nouvelle fois de conquérir le plus de régions possibles du côté de la Syrie qu'on a maintenant en entier. Du coup, on a débarqué sur la Arabia, pardon, Magna, et donc on a également attaqué la Séleucie du Tigre, qui est sur une autre région, la Mésopotamie, qu'on a déjà en grande partie, en trois quarts. On a Atreides et la Séleucie du Tigre qu'on avait pris des mains des Drangianes au précédent épisode. Ils sont encore là, les Drangianes, ils occupent Ecbatane à l'est, qui est une des régions de la Media Magna. Il n'en reste plus qu'une, moi, pour avoir la Mésopotamie. Il s'agit de Charax ici. Une fois Charax, ce sera très simple. On tiendra Charax, Séleucie du Tigre et Atra pour créer une ligne à tenir face à nos ennemis à l'est, et donc juste en dessous se situe la mer. Et oui, la magnifique mer qui s'appelle. Oui, donc ouais, c'est une région maritime hostile. Bah oui, ce sont les Drangians qui l'occupent. Et encore plus au sud, il y a les Guerraea, une faction dont je pensais ne plus jamais avoir à entrer en contact avec, mais finalement, oui, on va les rencontrer à un moment ou à un autre. Et sinon, en dessous, les Himyars et nos autres ennemis, les Minéens, mais qui n'ont plus que Yathrib, apparemment, comme seule région. Donc on devrait normalement leur foutre une belle branlée d'ici peu. Donc le prochain objectif, c'est simple, c'est Charax, Yathrib. Et sinon, en Espagne, souvenez-vous, on a fait en sorte de choper tout le territoire des Lusitaniens. Ils en ont encore un, il s'agit d'Ibosim. C'est pour ça que je vais bientôt décider de, je viens juste de décider de prendre ma flotte. Donc normalement, voilà, la situation en Cilicia est très très bonne. On n'aura plus à laisser notre flotte là-bas. Donc je vais lui mettre le mode au pas de course et on va se diriger. Donc elle aura toute la mer Méditerranée à traverser. C'est quand même badass. Mais donc voilà, direction Ibosim pour mes tridents de Poséidon qui vont devoir prendre au moins 5 tours ou 6 pour venir jusque-là. Mais ils viendront à un moment ou à un autre, je vous le promets. Et en plus, ils vont pouvoir attaquer Carthadache, qui est une région portuaire, Gadira, qui est une région portuaire, et Olisipo, qui elle aussi est une région portuaire. Donc voilà, elle va vraiment avoir du boulot, notre flotte. Bref, notre prochain cap, ce sera Carthadache, justement, Cartouba, ici également. On a, souvenez-vous, une alliance militaire avec les Arvaques. Et une alliance, non, on n'a pas d'alliance, je pense, avec les Hédetans, qui ont pris du coup, qui se sont rebellés face au peuple de Lusitanien et qui sont finalement revenus. Ah si, on a une alliance défensive. Oui, j'avais allongé l'argent, je me souviens, avec eux. On avait proposé des sacrés gros paiements, ils avaient finalement accepté. Bref, voilà, avec nos ailettes de nos alliés, nous allons maintenant affronter les Arvernes. Et c'est donc les Lusitaniens que nous affronterons sur le Ibosim, mais qui normalement devraient pas être trop casse-couilles. Donc voilà. Nous venons aider la Carthage qui est très très faible malheureusement ces temps-ci. Et puis on va aller sur l'Afrique. Hein. Oui, on va pas s'arrêter à l'Espagne, on va continuer et choper des régions en Afrique. Enfin bref, tout ça après le passage de tour, donc à tout de suite. Les gars là ici nous proposent un pacte de non-agression. Je n'ai pas forcément envie d'être en guerre contre eux. Ils sont neutres vis-à-vis de la guerre qui se passe sur l'Espagne. Donc, mais ils me demandent un paiement par contre. Donc moi je vais retirer ce paiement. Et proposer, bon, ils diminuent le paiement, allez, j'accepte leur pacte de non-agression, mais ils vont devoir du coup accepter une alliance à un moment ou à un autre. Je veux bien allonger l'argent, mais il faut qu'ils deviennent nos alliés. S'ils ne deviennent pas nos alliés, je leur marcherai dessus comme de vulgaires cloportes. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte qu'ils deviennent nos alliés, qu'il y ait une sorte d'alliance du Nord. Alliés attaqués, Carthage est attaquée par les Massaïciles. Bah, évidemment, j'entre en guerre dans le camp de Carthage, mes alliés. Les Rhodes, les Syraques, les esclaves qui viennent me faire chier. Non, c'est quoi ce bordel? Ouh là. On a une armée rebelle et. Une armée rebelle rette, je les reconnais. Et des esclaves aussi à côté. Malheureusement, on n'a pas l'armée pour les repousser. Oui, c'est à nouveau sur Coria, bah oui. On avait déjà subi une rébellion là. Donc là, il réattaque, il nous avait pillé la première fois. D'ailleurs, une armée est en recrutement pour Medlan, pour que je l'envoie justement là. Mais je crois que cette fois-ci, ils vont occuper. Oui, ils occupent. Et du coup, les esclaves se replient également. Il va falloir se préoccuper de ça. Rébellion en Séleucie du Tigre. Bon, là, on a notre armée, donc ça va vite être réglé. Il se replie, bien sûr. Lâche un jour, lâche toujours. Voilà. Suce ça.
Allez, salut. Pas de pitié. Et on revient en celle-ci du tigre. Donc là, c'est le celle-ci du tigre qui va mettre un peu de temps à être converti. Je vais d'ailleurs mettre un petite terre consacrée. Ce sera pas trop, puisque ici, la notre religion est pas tellement propagée que ça. Je vais encore procéder à des promotions pour qu'on chope encore plus de petits points. Là, en politique, bah voilà, on est passé à 58%. Hop. Voilà. Ah bah, je peux encore le promouvoir, lui. On est passé à 59%. Hop. Ça coûte de l'argent, évidemment, les promotions. Faites attention. Toujours 59%. Je vais encore le promouvoir, celui-ci. Ce serait bien qu'on passe à 60. Comme ça, on chope normalement un nouveau stade de d'adoration politique. Pour l'instant, on est respecté. On devrait normalement passer en admiré. Si on passe à 60. Hop. Toujours 59, bah mais putain. Ah, lui je peux encore le promouvoir. 59, toujours et encore. Bon, bah on va en rester là, on verra bien par après. Donc, j'en parlais justement, mon armée à Medlan, qui va normalement être recrutée d'ici un ou deux tours, complètement. Oui, encore un tour, et puis elle ira sur Coria, donc pas de panique. Ensuite, nos armées ici, est-ce que la situation est... Ouais, il faut déjà que je... Ah bah merde, j'aurais pas dû promouvoir tous ces hommes-là. Faut que je convertisse Tarako en urgence au prochain tour, du coup. Bon, on fera ça au prochain tour. Hein. En attendant, je laisse mon armée là. Et... Popopom, je vais envoyer mon petit agent Astera direction Yathrib. Elle va déjà y arriver maintenant. Ah, il y a une armée. Les enfants du soleil, ils sont pas très nombreux, donc on peut se les faire. Donc allez, c'est parti, mon armée, direction Yathrib. Par contre, là, ça va prendre du temps, parce que je vois la construction des bâtiments. Mais bon, on va déjà voir Yathrib aussi. En plus, on essaiera de faire assez bien de terres consacrées. La puissance d'Héraclès, du coup, on vient juste de sortir d'une rébellion. Je crois que ce serait mieux que j'attende que quelques petits trucs soient convertis. Et mon agent, elle, va aller en direction de Suse. Où apparemment il n'y a pas grand chose, donc tant mieux. Du coup, en Espagne, on ne bouge pas. Medlan, c'est en cours de recrutement. Et ici, on attend. Donc je vais passer le tour, à tout de suite. Les Drangen me proposent un traité de paix avec une nouvelle fois un paiement considérable. Bah maintenant qu'on a un petit peu cet onglet aussi... que j'aurais pu aller voir en vue d'ensemble stratégique. D'ailleurs, je peux aller voir là. Ben voilà, on y était dedans. On regarde le territoire des Drangan. On peut voir que effectivement, ils occupent encore la Media Magna ici, la Persie, c'est une partie ici en fait. Voilà ce qu'ils occupent. Ils occupent tout ça. Donc la Media Magna, ils sont sous l'oppression de mes alliés. Et ici, la Mésopotamie, ils auront bientôt plus Charax, puisque je vais sans doute bientôt la prendre. Du coup, ils n'auront plus que ce gros bloc ici, au du sud. Donc on va essayer de les faire. Évidemment, je refuse leur traité de paix. Ça, c'est clair et net. Et il y a des armées égyptiennes aussi, que j'ai oublié de vous dire. Il y a des armées égyptiennes qui foncent vers l'est. Maintenant, on a carrément des frontières communes avec les Égyptiens. Regardez, Jérusalem ici, Petra. Tout ça, c'est à côté de chez moi. Et ils sont apparemment en train de se faire assiéger. Donc on va aller les aider. Les Rettes, apparemment, se soumettent. Ils me demandent un petit paiement. Et ainsi, ils me proposent donc un traité de paix. Et ils veulent devenir mes clients, mon statut de client. Mais c'est hors de question. Moi, dans un... je vais envoyer mon armée ce tour-ci, justement. Et je vais les déglinguer, donc... Et les esclaves qui sont présents un peu partout d'ailleurs, ce que je vois. Rébellion imminente en Racia et Noricum. Oui, c'est pour ça qu'il faut que je me grouille pour récupérer Petra. Alors, on doit choisir un nouveau général. Wow, qui êtes-vous monsieur Calimorphus, bah oui, de la dynastie Antigonide. Eh ben allez hop, bienvenue, général. Donc on va foncer ben, sur Coria maintenant avec nos marteaux d'Héphaïstos. C'est parti. Ce sera pour le prochain tour. Faction détruite, les Colchides. Faction détruite, les Garamantes. Rapport militaire, ouais, ce sont tous mes hommes. Au prochain tour, on a notre philosophie naturelle qui est terminée. Et je vais tout de suite reprendre par après
après nos recherches en gestion, puisque je vais chercher les réformes des rémunérations qui sont ici pour pouvoir construire des casernes royales et améliorer mes casernes d'hoplites et du coup recruter un nombre incroyable d'unités prestigieuses comme les cavaleries des compagnons à spi, cavalerie de compagnons, les compagnons à pied, les peltasters royaux qui remplaceront du coup mes bretteurs et les porteurs de boucliers, également des lanciers, donc vraiment de très très bonnes unités. Donc, Tarako, on va la convertir. Voilà. Ça, je détruis. Et ça aussi. On va améliorer le bâtiment ici. Voilà. Je crois que c'est bon, on peut y aller. C'est le site du tigre, on va l'améliorer également. Regardez l'armée dont je vous parlais, là, les compagnons de Sobek. Mais je sais pas s'ils vont devoir revenir sur Petra, du coup. Ils sont un peu dans le pétrin sur Petra. C'est drôle, on s'en fout. Alors, les brûleurs de pierre, ils sont pas très nombreux, donc ils ont rien à craindre, en fait. Ouais, ça va, il n'y a pas grand-chose à craindre. Ici, les enfants du soleil. Bon, on va déjà faire une petite action avec Astera. Il va saboter les puits. GG. Ah bah, rang supérieur, bravo. Elle a réussi, notre petite Astera. Je suis fier de toi. On va lui mettre un petit truc qui augmente ses chances de... Il n'y en a plus. Bon, bah, on va mettre collaboration. Et du coup, nous, on attaque Yathrib. Bah, voilà, très facilement prenable. En plus, avec l'empoisonnement des puits qu'a fait mon agent, ils sont encore moins nombreux. Ouais, du coup, je peux les subjuguer, mais... Ouais, non, on va pas les subjuguer, on occupe, bien sûr. Donc voilà, ça confirme évidemment le fait que c'était leur dernière région. Donc les Minéens, normalement, on devrait plus en entendre parler. Mais qu'est-ce que foutent les Himyars sur mon territoire, maintenant? Dégagez! Allez, hop! Ouais, du coup, le reste est occupé par les Himyars, ici. Donc on a Marib. Il y a ici une autre région qui apparemment s'appelle... On peut pas regarder. Et ici donc Guerra qui est pris par les Garaea. Par les Garaya. Avec l'accent. Et donc nous ici, je sais pas, j'hésite à rester encore un peu dans la Séleucie du Tigre. Parce qu'il n'y a rien de converti, donc on subira sans doute une rébellion d'ici un ou deux tours si on quitte la région. Je vais laisser ma puissance d'Héraclès là, c'est plus sage. Ah, du coup, je vais passer le tour. Donc, au prochain tour, on chope Coria. Ma flotte, elle est où? Parce que j'ai toujours pas regardé. Ouais, elle est là. Donc, normalement, elle devrait arriver le plus vite possible. Ouais, elle a vraiment du. Elle a du chemin, quoi. Il faut. Faut... Ouais, elle a du beaucoup de chemin. Attendez, 1, 2, 3, 4. 5, ouais, 5-6 tours, quoi, encore. Va falloir attendre un peu. Enfin, bref, du coup, on continue notre conquête au prochain tour. Ouais, au prochain tour. Donc, à tout de suite. La Confédération gauloise me propose un accord commercial. Donc, la Confédération gauloise, qui est un ennemi des Eravis, mes alliés, me propose un accord commercial. C'est hors de question, évidemment. Ce serait un acte de trahison envers les Eravis d'un côté. Donc, c'est certainement rejeté. Donc, voilà, merde. J'aime la bière, mais j'en ai aussi. Voilà. Les Pergamons et les Galates là qui sont sur le territoire des Drangan, va falloir voir ça. Alors, un traité de paix avec les Drangan, cette fois-ci me propose 4260, mais ouais, c'est de plus en plus élevé, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est des malades. Ah, ils bougent leurs armées. Traité de paix de la part des Gétules. Non. Non, c'est non. Tu ne comprends pas. Les Égyptiens qui se font encore chier par eux. Geraea là qui avance apparemment des agents vers moi. Les Himyars qui quittent mon territoire, ça c'est bien. Les Massaïsyl, toujours encore un traité de paix. Et non. Désolé mon ami. Les Rhodes, nos alliés. Ok. Rébellion sur Octodurus, c'était à craindre évidemment. Échec de la mission, objectif, prenez un champion. Ah oui, merde, j'en ai même pas recruté un. Carrément oublié. Eustachius, on va rien faire, je prends une casquette de la thune. Ouais, donc niveau technologie, on va
prendre comme objectif les réformes des rémunérations. On va devoir du coup passer d'abord par les réformes d'approvisionnement qui augmenteront les munitions de toutes nos unités lance-projectiles de 25%, augmentera de 1 l'emplacement de recrutement dans toutes les provinces et diminuera de 4% le coût de recrutement de toutes les unités et de 4% le coût d'entretien pour toutes les armées. Donc ça va prendre 11 tours. Et ensuite encore 17 tours pour les réformes des rémunérations. Donc en clair, 28 tours au total. Et oui, ça va prendre beaucoup de temps. Bon, bref. On va d'abord prendre Coria. Et foutre une branlée à cette armée des Rhett. Donc on occupe. On récupère ce qui est à nous. Faction détruite, les Rhett. On va ensuite se diriger vers les esclaves et ensuite passer sur Octodurus. Donc Coria, rien à convertir. Parfait. Voilà. Pom-pom-pom. Yep. Donc ici, notre armée. Tarraco. Hop, Tarraco, on va y faire un bâtiment à terre consacrée. Puisqu'ici, la culture majoritaire, il s'agit de la culture ibère, donc l'ibérique. On se trouve en Ibérie, entre autres, ici. C'est une partie de l'Espagne, en clair. Elle est en baisse, tout comme la celtique. Mais l'hellénique, voilà, est en très grande hausse. Donc normalement, c'est une affaire de une dizaine de tours. Et normalement, la nôtre sera bien majoritaire. Ensuite, un petit bâtiment. Bah, question d'ordre public. Et ben voilà, un bâtiment public. Et enfin, allons-y, Alonso. Donc ici, je vais. Y a tribe, y a rien à convertir. Ah bah si, il y a à convertir. Ah, j'ai pas la technologie nécessaire. Conception de temple. Oh, va à la merde. Va à la merde. On va détruire ça et on va reconstruire. Voilà, moi, ce que je dis. Les griffes de la harpie, je pourrais déjà les envoyer direction Guerra, mais il y a justement les Gueraya ici avec les sables ardents, composés d'une grande quantité de cavalerie arabe, hein, de la petite cavalerie légère, rien de bien méchant. Les lanciers enrôlés, des archers à chameaux très casse-couilles par contre, mais lents. Plus lent que la cavalerie et des frondeurs. Donc normalement ce serait pas très grave. On va déjà affaiblir leur nombre en empoisonnant leurs provisions. Raté, espèce de conne. Non mais ça arrive, il n'y a pas de souci. Je vais envoyer Erifil également sur le coup où elle nous fera un petit sapage d'autorité. Mais ce sera pour le prochain tour. Et sinon, bah, je vais envoyer mon armée. Allons-y. Vers la victoire, comme tu dis. Ah bah, Adumatou qui est surveillé par les Égyptiens, c'est sympa de leur part. Sinon, j'ai oublié, complètement oublié. Donc, si on regarde bien mes armées, j'ai également ma fierté d'Agamemnon qui est ici, prête au combat. Donc, on va l'envoyer vers l'est et épauler nos amis Pergamon et. Oh oui, regardez! Deux armées Pergamon et une Galate ici qui pillent le territoire. Oh putain, ils doivent en chier. Hein. Regardez, ouais, moins 30. Au prochain tour, il y a une rébellion ici sur Gazaka. Je plains les Drangyan. Bon, bref, tout ça pour dire que nous, on va essayer de prendre Gazaka et Ecbatane avec notre fierté d'Agamemnon. Donc, on va tout simplement aller par ici. Voilà. Rejoindre nos bons amis. Je vais mettre la marche forcée, comme ça on sera avec eux. Ensuite, je mets la marche normale. Mais normalement, on devrait avoir assez de points d'action pour aller à Gazaka. Et enfin, ici, la Séleucie du Tigre. Voilà, ça se convertit. Je vais améliorer le bâtiment sacré. Très bien. Bah, je pense que je vais petit à petit quitter tout ça, mais attention à ces salopards. Hein. Les Galates, ils devraient attaquer. Hein. Les Pergamons aussi, ça ferait déjà trois plombes qui seraient censés déjà avoir pris les deux régions là. Bon, mes marteaux d'Héphaïstos qui ont récupéré Coria. Ils ont d'ailleurs une nouvelle tradition et le général une nouvelle compétence et en entourage aussi. Plus 5 pour de chance de réussir à poser une embuscade, plus 1 d'autorité, plus 2 de morale pour toutes les unités. On va faire ça. Sinon, avec l'argent qui me reste, on est toujours à 59%, on va promouvoir Calimorphus. Ah, on est à 60, c'est bon, on est maintenant admiré. On aura de bien meilleures
Voilà, on est passé de plus 2 d'ordre public par tour à plus 4. On augmente notre taux d'imposition d'un pour cent supplémentaire. Et le moral pour toutes les unités terrestres augmente également, c'est bien. C'est très très bien. Mais le bon stade, c'est vraiment là où j'étais vraiment à fond dedans, c'était en sans égal. Ouais, sans égal, là c'est vraiment excellent, ça. Sans égal, vous êtes le boss. Enfin bref, du coup on est revenu à 60%, c'est bien. Ici j'ai quelques unités qui pourraient choper un meilleur équipement, effectivement. Ouais, voilà, c'est fait. Bah, je vais passer le tour une nouvelle fois, donc à tout de suite. Malheureusement, nous avons à déplorer une mort. Il s'agit de Bardas, notre amiral. Et oui, notre bon amiral de nos tridents de Poséidon, qui est mort. Et oui, donc qu'il repose en paix, c'était un très bon amiral. Celui qui le remplacera doit être à la hauteur de son précédent commandant. Et bah regardez celui-ci qui a beaucoup d'effets et de très bons bonus. On va prendre du coup Cepheus en Eptère. Voilà. Et donc Cepheus, toujours et encore, direction Ibrosim. On voit maintenant la ligne. Du coup, ouais, ils y seront dans 3 tours. 3 petits tours. Populace mécontente en Mésopotamie, bien, c'est normal, c'est une zone de guerre. Mécontente en Raïssa Noricum, oui. En parlant de Raïssa Noricum, les rebelles helvètes ont été repoussés, enfin dégagés, ils ont juste bougé, ils se sont repliés, pardon, par la Ligue étrusque. Donc c'est bien, la Ligue étrusque nous a permis d'avoir un petit répit. En tout cas, ici, je vais d'abord attaquer les. Ils sont où? Ah, ils sont là. Donc voilà. Malheureusement, on entre en intrusion sur le territoire de la Confédération gauloise. Et on va tout de suite se barrer. Donc, révolte d'esclaves réprimée. On va tout de suite partir de là. Attention, parce que c'est déjà chaud entre eux et nous. Maintenant, on refout une intrusion. C'est légèrement badass ce qu'on est en train de faire. Comparons votre force à celle de l'autre faction. Maintenant que je regarde, si je compare mes forces avec celles de la Confédération gauloise, on s'en va, je suis quand même bien. Je suis bien. Enfin bref. Les Eravis, on va essayer d'en faire des alliés militaires. Ça serait bien ça. Mais ils veulent pas. À mon avis, on aura sans doute une alliance militaire quand on sera en guerre contre la Confédération gauloise. Les Atrébates. C'est nos Belges. Et eh oui, ce sont des Belges. Mes amis, mes patriotes. Un accès militaire. Non. On a quoi avec eux? Accord commercial et pacte de non-agression. D'accord. On verra plus tard. On n'a pas grand-chose à faire, hein, diplomatiquement parlant. Les Édotans, Faites-moi part de une votre alliance sagesse. militaire, et non, ils voudront pas. Bref. Vous parlez bien. Bref, bref, bref. On va tout de suite revenir ici. Et hop, la puissance d'Héraclès, c'est bon maintenant, direction Charax. Et enfin ici, Anastasia, toi tu vas voir un petit peu ce qu'il y a dans les alentours. Charax est défendu par les champions d'Atargatis, une flotte. Ici, alors, ils sont où ces connards? Ils sont là, les Guerraillards. On va déjà les affaiblir avec un petit empoisonnement. Si elle réussit cette fois-ci. Eh ben voilà, je m'en doutais, elle a foiré. Du coup, Eriphil, tu vas nous faire un petit sapage d'autorité. Réussi. GG à toi, elle passe niveau 5. Et mon armée, toi, tu fonces. Hop, niveau 5, du coup, je vais améliorer. Dignitaire. Adoumatou, Yatrib, on améliore. D'accord. Et enfin, ici, du coup, notre fierté d'Agamemnon. Hop, aucun mode. Est-ce que je peux attaquer? Non, oh, fais chier, tout juste. On peut pas attaquer. Ils profiteront du renfort de l'armée de garnison et du guet ici si j'attaque les armées des immortels. Ils sont très très nombreux. Hein. Ils sont vraiment très nombreux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer ici. Je vais faire un camp. Voilà, on va jouer à leur jeu. Voilà, donc au prochain tour, je prends Charax et Suse à côté sans doute aussi très bientôt. Puisqu'apparemment, elle n'est pas défendue non plus.
Et du coup, on va mettre une branlée à l'armée des Geraea ici, et on foncera directement vers leur capitale et seule région d'ailleurs, pour pouvoir les anéantir. Bon, alors, d'abord, nos compagnons courageux. Direction la frontière ici. Et nos autres amis. Voilà, on va déjà améliorer également les cités. Donc les ailes de Pégase, elles vont aller en direction de Carthadacht. Voilà, très bien. Donc je vais passer le tour à tout de suite. Les Gétules, toujours et encore un traité de paix, refusé. Ça sort de question. Encore et toujours. On va sans doute avoir une proposition des Drangen, encore une fois, je le sens venir. Hein, quoique non. Ah non, pas de proposition. Ouais, les rebelles par contre qui m'attaquent sur Octodurus, ça c'était obligé. Donc, malheureusement, je n'ai pas les forces nécessaires pour les repousser. Du coup, il va falloir attendre mon armée. Ouais, ils occupent. Donc ce sont des Helvètes. Les occupants d'origine d'Octodurus. Donc populace motivée. En Germania Minor, tant mieux. Une faction émerge, bah oui, les Helvètes. Surplus de population en Pannonia. Rapport de construction. Populace mécontente en Arabia Magna. Ouais, il faut attendre un peu. Ah, ici par contre, je vais pouvoir attaquer. Je vais d'abord faire avec Astéra un empoisonnement des provisions. Ah, réussi cette fois-ci. Bah voilà, il fallait attendre la. Jamais 203 du coup. Perturbation militaire, saper l'autorité du général. Réussi aussi. Bah voilà, on va les attaquer après. Ça va, je vais vous montrer la bataille. En plus avec les actions qu'on vient de faire. Ah, il y a quand même une unité à Chamou qui est quand même bien endommagée. Et les frondeurs aussi. Ah, c'est bien ça. C'est très bien. Du coup, d'abord. Nos armées ici, on va les déplacer. Toujours direction Kartouba. Et l'autre, Tarraco. Tarraco qui est sous le siège. Bon, ben on va les faire venir quand même. Ma flotte, mes tridents de Poséidon, ouais, elle est là. Ma toujours et encore direction Ibosim. Ma fierté d'Agamemnon. Ah, apparemment, il n'y a pas grand-chose. On va une fois lever le siège. Le camp, pardon. Ah ah! Ah ah ah! Il y a. Oui, non, j'ai rien dit. Il y a encore le guet. J'ai rien dit. Bon, ben on va refaire le camp. Faudrait que Gazaka soit inoccupé, ça serait bien ça, mais bon. On va prendre Charax aussi. On va le faire maintenant. Voilà, on a largement l'avantage. Du coup, on va la prendre automatiquement. On occupe. On convertit. Ça en détruit. Ça en convertit. Et voilà. Du coup, Anastasia, toi tu vas retourner là. J'ai comme qui dirait un pressentiment. Ouais. Ouais. Ah bah si, voilà, elle est là. Les Drangani sont là avec les frères d'armes. Donc je vais demander à mes alliés s'ils le veulent bien d'attaquer ces connards. Ah bah j'ai déjà pardon désigné comme cible. Ben voilà, ben il serait bien de se bouger le cul du coup. Et donc, on attaque l'armée des Geraea. Oh, c'est une embuscade. Ouh là là. Oh, ça va être beau. Je vais vous montrer ça parce que ça va être magnifique. Ils sont 1800 et on va les encercler. C'est incroyable qu'on va les prendre en embuscade, quoi. Ça va être beau. Allez, donc les amis, à tout de suite sur le champ de bataille pour une embuscade face au sable ardent. Et voilà, on y est. Donc regardez-moi cette petite armée. Donc ouais, on est en plein dans les dunes, comme vous pouvez le voir. On combat pas souvent, mais maintenant qu'on y est, à l'est, eh bien évidemment, on tenait dans le désert. Donc les voilà, ces clampins. Donc comme vous pouvez le voir, la cavalerie arabe, la voici. Donc une épée, un petit bouclier de daube. Mais bon, voilà, ça reste de la cavalerie de mêlée moyenne, donc pas légère. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure, donc c'est bien de la cavalerie moyenne. Je vais mettre bien mes balistes en évidence ici. Pour qu'elle puisse tirer de beaux projectiles normaux. Et bah sinon, mes phalanges de piquet une nouvelle fois, juste là. Mes archers qui tireront par contre à mort
sur les cavaliers. Mais par contre, je pense qu'attendez, je vais plutôt faire ceci. Voilà, avec les archers. Ici. La cavalerie thessalienne, elle, je pense que je vais la faire foncer sur le général ennemi. Mais je vais voir. Mes porteurs de boucliers, donc mon général, je vais le mettre à l'abri ici. Et bah, mon général défendra le flanc de mes archers, phalanges pour mes piquets aussi, sinon. Et donc ici, je vais mettre des chevaux de frise pour la cavalerie qui est en grande quantité de ce côté-là. Je vais la mettre là, tous des chevaux de frise ici. Si jamais ils essayent de contourner et d'attaquer mes archers de derrière, et ben, ils se feront décimer par mes chevaux de frise. Et sinon, pour protéger l'autre flanc, des barricades. Voilà. Donc cavalerie ici, j'ai un corps des bretteurs. Exact. Tous mes bretteurs, eux, à l'avant, ici. On peut y aller. Let's go, bitches. Donc mes archers. Feu à volonté là. On va essayer de faire mal sur les archers à chameau pour commencer. C'est parti. Les balistes commencent déjà à tirer sur le général en plus, en plein dans sa mouille. Et ici mes bretteurs qui devraient. Voilà, qui tirent en plein dans la gueule de la cavalerie arabe. Oh, oh là 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 là! Nom de Zeus! Regardez-moi ce massacre! Oh! Le sang qui a coulé, les amis, c'était incroyable. Ici, ma cavalerie thessalienne qui est au contact de la cavalerie arabe. On devrait normalement avoir largement l'avantage. En plus, mes bretteurs qui leur tirent dessus, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Attention par contre, ma cavalerie thessalienne. Ah, ici, peut-être la cavalerie qui va foncer dans les chevaux de frise. Non, dommage. Nos archers qui tirent correctement. Ah bah, ce sont nos piquets qui sont attaqués de flanc. Mais regardez, une partie d'entre eux ont été bloqués par les barricades, donc il y a quand même du bon boulot. Je vais replier ma cavalerie et utiliser mes bretteurs. C'est parti. Mes balistes qui tirent toujours et qui, je pense, ouais, vont se faire attaquer pardon, par la cavalerie arabe. J'envoie ma cavalerie thessalienne en renfort. Alors, ici. Oh, mes chevaux de frise n'ont toujours pas fait effet. Ah, si! Deux cavaliers, ouais, c'est déjà ça. Bon, alors, sinon de l'autre côté. Ouais, les frondeurs. Je vais mettre mes lance-projectiles un peu comme ça par contre. Ah, il y a Putain, je vais pas y arriver. Lakumadzes, noble bretteur. Le général ennemi, quoi, en clair. Qui attaque. Et ben, on va essayer de le tuer. Et oui. Mon général, je vais faire un petit compétence. Alors, le général ennemi, il s'en prend plein la gueule. C'est magnifique, on va sans doute le tuer. D'ici la prochaine vague, on va le tuer maintenant, je pense. Ah, même pas. Bon, on va tirer sur les archers à chameau, qui sont également très nombreux. Qui étaient très nombreux. Non mais là, ils se sont pris une volée, les amis, dans pleine gueule. Alors de ce côté-ci, nous sommes victorieux également. Oups, par contre, des bretteurs qui se barrent un peu trop loin. Ici, par contre, ils ont difficile. Je vais envoyer des bretteurs en renfort. Allez, mes archers. On se fait une autre unité d'archers à chameau. Ils sont 32, donc ça va être vite réglé. Voilà. L'autre unité maintenant. Archers mercenaires cette fois-ci. Eh ben.
Ah, c'est bien, elles ont fait effet mes barricades. Plus mes barricades que mes chevaux de frise. Pourtant, elles étaient bien dissimulées derrière la petite dune. C'est dommage. Ouais, je pense qu'ils abandonnent tous. C'est une victoire décisive, bien sûr. Belle embuscade, en tout cas. Donc voilà, on se retrouve sur la carte de campagne. Et voilà, donc victoire décisive contre les sables ardents des Geraea. Donc une victoire très importante. On va les suivre et les exterminer pour ensuite partir en direction de leur saloperie de capitale. Et voilà. Donc très facile, hein, évidemment, la bataille. On avait un très très gros avantage. On va juste revenir sur Adumatu, question de se reconstituer. Et hop, pour mon général. Sinon, ben, mes petits agents, ils vont déjà aller en direction de Guerra. Voilà. Alors, est-ce qu'on a pris bien cher ou pas? Ça va encore. On peut recruter quoi comme mercenaire? Ah, quand même. On verra après, de toute façon, on a un corps bien complet. Donc, pas de panique. Alors ici sur Charax, ouais, donc c'est bon. Les frères d'armes, par contre, là, ils vont me faire chier à rester là. Ce serait bien que mes alliés réagissent et les attaquent, mais bon, pour l'instant, pas grand-chose qui se passe. Alors, les Arvernes ici. Donc ouais, ils sont toujours et encore sous le siège. Mon autre armée, ils vont arriver. Bon, ben, je vais passer le tour une fois encore, donc à tout de suite. Les Imyar me déclarent la guerre, les amis. Donc toute cette faction qui occupe deux des régions de l'Arabia Felix, la troisième est occupée par les Maskat. Voilà, on les connaît et ils sont amicaux. Donc apparemment, on va en faire peut-être des alliés, on verra. Donc en fait, voilà, donc ces bâtards-là, les Imyar me déclarent la guerre également. Donc on va tout de suite appeler nos alliés à l'aide et je suis donc rejoint par la totalité d'entre eux quasiment. C'est magnifique. Les rôdes qui se baladent. Et voilà la fin du passage de tour. Donc avant que j'oublie, je vais juste essayer de récupérer Octodurus. Parce que j'avais complètement oublié. Donc notre armée est là. C'est parti. Parfait. Hop. On occupe. Donc faction détruite, les Helvètes. Ils n'ont rien converti, c'est bon. Ok, du coup voilà, on a à nouveau nos deux régions, c'est parfait. Ici, toujours en cours de siège. Bah, je vais faire venir mon armée à côté. Ah, il y a une armée des Arvernes qui monte le bout de son nez. Les prétendants de Kama, c'est leur nom. Bon, bah, on va avancer vers ces prétendants. Avec nos compagnons courageux. Ensuite, deux armées apparaissent ici. Ce sont des armées, justement, Geraea, donc les fils de Marem. Et les gardiens du désert qui en plus ont l'air assez affaiblis. Donc Astera, ben, elle va essayer de faire un petit sabotage. J'espère qu'elle va réussir. Merveilleux, magnifique. Et elle gagne même un rang. Largement mérité, c'est très bien. Voilà. Eriphil, elle, va faire un petit menace de destruction. Allez hop. Petite menace. Oh, dommage. Raté cette fois-ci. Bon, notre armée est quand même bien plus ou moins reconstituée. On va déjà aller nous... Bah, je peux aller sur Yathrib, donc je vais aller sur Yathrib. Et on va ensuite attaquer, si jamais ils sont encore là. Les Imyar qui ont de grosses armées aussi, il faut faire attention à eux. Sinon, l'autre faction, les Maskat, ils sont en guerre contre personne. Oh putain, on est passé en Inamico maintenant. Dommage. Si vous venez à... Ça c'est dommage. Mais bon, il va me falloir une deuxième armée. Parce que contre les Imyar et les Geraea, je ne pourrais pas tenir. Du coup, je pense que je vais devoir faire venir ma puissance d'Héraclès. Mais, les amis, j'ai mes démons de Polémos qui sont reconstitués. Donc je vais les mettre plutôt au mode pas de course et les faire venir le plus vite possible sur Yathrib. Ils y seront dans deux tours. Et donc ici, ma puissance d'Héraclès, direction Suse, mais il y a les porteurs de lumière qui sont là-bas. Bah, on va les affaiblir. Empoisonnement de provisions, réussi.
Et je vais avancer mon armée. Voilà. Ouais, ces salopards des armées des immortels sont pile à l'endroit où ils recevront leur renfort. Composé de lanciers, mercenaires perses, cavalerie civile, tirailleurs. Nous avons faim de bataille. Ouais, on va essayer de faire gaffe, c'est mieux. Oh, il y a les Rhodes qui sont carrément venus jusqu'ici, avec une très belle armée. Bah, je vais désigner une nouvelle cible de guerre, bah, ce sera cette armée-là. Ah bah je peux pas la désigner, c'est quoi ce bordel? Pourtant elle est là, je ne suis pas plein. Bizarre. Bref, bah c'est à peu près tout. Bah c'est tout pour cet épisode les amis. Et oui déjà, donc les amis, merci d'avoir regardé cet épisode. Dans le prochain gameplay, on se retrouvera du coup avec notre autre armée qui est en cours d'arrivage. Donc les démons de Polemos et les griffes de la Harpie pour la lutte contre les Geraia. On va essayer de le mettre fin à leur empire à ceux-là le plus vite possible. Donc anéantir leurs deux armées puis foncer là-bas sur Gera. Et également notre nouvelle guerre contre les Imyars. Donc les amis, merci d'avoir suivi ce gameplay. On se retrouvera aussi évidemment pour la lutte contre les Drangan et contre les Arvernes en Espagne. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Ciao.